Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, nous sommes sur LibreOffice Writer, nous sommes sur la version 7.3. Alors, l'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment on réunit donc deux fichiers. Donc, c'est des deux documents texte. Donc, si je les ouvre, c'est simplement ce qu'on trouve de manière classique. Donc, voilà, là il y a deux lignes, là il y a cinq lignes. Donc, un fichier qui s'appelle tableau de données et un autre, peu importe le nom. Voilà. L'objectif, c'est de vous montrer comment je réunis ces deux éléments dans LibreOffice Writer. Alors, c'est simple. Vous allez dans Fichier, Nouveau. Vous descendez sur Document Maître, on va l'appeler. Une fois que vous l'avez ouvert, si vous n'avez pas la barre latérale à droite comme ça, vous regardez dans le menu Affichage si Navigateur est coché. Donc, chez moi, c'est le cas. Vous sélectionnez Texte. Et vous cliquez, vous faites un clic droit de la souris, donc dessus, en dessous, et vous allez chercher les fichiers. Donc, insérer, fichier. Et on va chercher nos deux fichiers, donc les fameux, hop, je sélectionne. Alors, soit vous faites CTRL A pour tout sélectionner, soit vous appuyez sur CTRL, après avoir sélectionné un premier et un deuxième. Voilà. Et on fait ouvrir. Donc là, on a nos deux fichier réuni. Ensuite, on va dans le menu fichier, ouvrir, et on va lui indiquer texte, puisque c'était ça au départ. Je vais l'appeler avec réunion. Réunion, j'enregistre. On va laisser comme ça. Hop, OK. Les éléments par défaut. Et si je reviens, je vois réunion qui est là. Et si on ouvre réunion, qui est un fichier texte, on retrouve nos éléments réunis. Donc là, c'est une possibilité, une proposition. Je vais vous montrer une autre proposition dans une autre vidéo. Voilà, c'est deux façons de faire. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.